Et c'est parti pour 90 minutes. Il se dispute le contrôle du ballon. Romagnoli. La faute me semble évidente hein, sur ce tacle glissé. Il montre bien le mauvais timing sur cette intervention. Pour le gardien. Ça n'ira pas plus loin. Paul Baïs. Il a du soutien. Oh, c'est parti. Les appuis sont plus délicats.
n'est pas là. On n'ira pas plus loin sur cette action. Sous un autre angle. Ça faut souffler sur cette passe en retrait. Johan Cabaye. Attaque. Ça n'ira pas plus loin, c'est repoussé loin. Johan Cabaye. Face à la coquette. Dernière assure. Ce sera donc un corner. Courte.
centre. Le défenseur qui a bien jailli pour écarter ce ballon de la tête. Sur ce ballon, oui, bonne sortie. Johan Cabaye. Oui, c'est bien taclé. Benjamin André. Et ça dispute le contrôle du ballon. L'arbitre indique le poteau de corner. Superbe construction sur ce but. Il y a peut-être une erreur de marquage sur ce corner, mais ça n'enlève rien à la qualité du centre. Je vous laisse approcher le ralenti sur ce but. Ici est déjà 2-0 au score. J'ai raté l'essentiel. Il a gagné le vestiaire avec le but d'avance. C'est mal, c'est évident. Deux buts d'écart, c'est beaucoup, surtout devant son public. Toujours cette pluie, hein, alors que la seconde période vient de débuter. Le gardien qui peut s'emparer du ballon. Eh oui, il était très vigilant sur cette action. Sur les défenseurs. Attention à ces coups de pied de coin, c'est souvent des occasions de but. Il doit être parfaitement ajusté, plein axe. C'est-à-dire qu'il était idéalement servi. On va-t-il marquer la tête ? Il place une tête imparable. Allez, le ralenti tout de suite pour bien comprendre la construction de ce but. Un corner excellemment bien tiré, il n'y a rien à dire. On revoit ce but sous un autre angle. Qui a clairement tourné maintenant. Thomas Guimbert. Oh, le bon centre.
Le défenseur est le premier sur ce ballon de la tête. Il bascule sur l'aile, histoire d'étirer ce bloc défensif très compact. Il va empêcher le ballon de sortir. Changement de joueur. Sortie à laquelle on s'attendait un petit peu, Franck. Oui, nous et le joueur lui-même, il sait très bien qu'il a raté son match. Sur cette interception, c'est impeccable. Un très bon ballon sur le côté. Il y a deux joueurs à la lutte. Paul Maïs. Oh, la lutte est en train de reprendre ce ballon. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain. Devant son public. L'occasion peut-être avec cette frappe. Il s'en est fallu de rien pour qu'il ne vienne tromper le gardien. Ouais, je pense qu'il s'en veut un peu là. Ce changement n'est pas fait pour nous déplaire. C'est bien que l'entraîneur décide de ne pas fermer le jeu. C'est bien pour le spectacle. Bon, ça peut surprendre aussi vu le score. C'est bien donné ça. Oh oui, ça chauffe. Oh, le tir. Non, ce n'est pas cadré. Johan Cabaye. Et ce ballon qui traîne. Et ce sera penalty. Oh, carton jaune, Franck. Carton jaune, j'ai envie de dire seulement. Ben oui, je comprends pas. Là, je vois pas pourquoi il met pas le rouge. C'était le dernier défenseur. Il y avait la pression, mais le tireur n'a pas tremblé. Il y a la pression, c'est portier, c'est propre. Je vous laisse approcher le ralenti sur ce but. Oh, ils ont peut-être tué le match. Là, le score qui est maintenant de 4 à 0. 69e minute, numéro 18. Ben Yedder. Un joueur qui saute pour éviter le tacle.
sur le jeu. Un deuxième but marqué quasiment sur l'engagement. Oh, les défenseurs, ils ont intérêt à ne pas le lâcher aujourd'hui. Deux buts déjà pour lui. Et ce but, cette fois-ci, avec une autre caméra. C'est une rencontre qui tourne à la correction. Un but pour Ajaccio à la 75e minute. Numéro 18. Attention, pas commettre de faute. Qui va faire rentrer du 109. Johan Cabaye. Ben Yedder. Il faut le dégager, c'est bien. Prochain arrêt de jeu, le visiteur va faire rentrer un petit peu de 109. Thomas Gerber. Ouais, elle est dangereuse cette fois. Ouais, c'est contré. Sur ce centre, pas de problème. Gerber. 5-0 ici et le score qui ne devrait plus évoluer maintenant. Vous savez quel sera le prochain adversaire de cette équipe? Les Sochaliens vont affronter le PSG ensuite. Les joueurs ne peuvent s'en prendre calme, mais ils savent qu'ils n'ont pas été bons. Gerber. GCP. C'est parfait, qui va faire plaisir aux puristes. Ouais, quelle occasion! Ouais, le gardien, c'est pas fini. Ouais, ce sera une touche à suivre. Changement à venir. Un joueur qui quitte le terrain avec le sentiment du devoir accompli. Allez, très bon match, un petit sympa. Sur la frappe. Oh oui, la belle patte du gardien. Il va se lancer pour un corner. Je vous laisse apprécier cette statistique sur le corner. Avec Corse sous le haut. Au corner. Il enchaîne les bons arrêts, c'est parfait. Et sur un gardien, il n'a pas pris de but lors de cette rencontre. GCP.
panier d'air. Oh, peut-être le but. Un joueur qui s'est manifestement bien acclimaté à son nouveau club. Un but qui va lui faire plaisir et qui va le mettre en confiance. Je crois qu'il n'y a plus de contestation possible. L'affaire me paraît entendue. Oui, je ne sais même pas si un miracle a suffi. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Et ça fait un but de plus pour forcer l'addition. De suspense. Et le bon tacle. L'arbitre qui vient le délivrer. Les joueurs, c'est la fin du match. Je vous demande de suivre les consignes du personnel de sécurité. J'ai quand même un peu le sentiment qu'il n'y a pas vraiment eu de match. Vous partagez mon analyse, Franck ? Oui, on a vu qu'une seule équipe sur le terrain. Mais elle était plus forte dans tous les compartiments du jeu. Comme je dis souvent, ils auraient pu jouer toute la nuit. Mais jamais été inquiété. Dreamt a little.